Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, un bon abino parso. Voilà. La loi Noël Tchani a été déposée à l'Assemblée nationale, chers compatriotes. Noël Tchani, c'est l'homme par qui vient peut-être la libération totale du Congo. Donc, l'exclusion des infiltrés. Chers compatriotes, il faut tous épeler l'eau. Il y a déjà apparemment 215 députés. Alors, comme Noël Tchani n'est pas député, il y a un député qui a accepté de porter la charge. C'est Nsingi Poululu, chers compatriotes. Alors, c'est la victoire de la majorité du peuple, hein, parce que il y a d'abord la clameur publique, et puis il y a les déboires connus, et nous avons été infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Laurent Désiré lui-même l'avait dit. Vous vous souvenez du chef d'état-major James Kabarebe. Le docteur Noël Tchani donne son exemple. Quand il a trouvé qu'il ne pouvait plus rester au Congo, il est retourné au Rwanda. Occuper les mêmes fonctions, vous voyez. Et comme par malheur, nous avons eu aussi Joseph Kabila. Rwandais qu'il était, en témoigne le premier discours qu'il donne en massacrant la langue française avec les accents rwandophones qui prouvaient d'où il venait, chers compatriotes. Et nous fûmes pendant presque 20 ans dominés, écrasés par le pouvoir Tutsi, chers compatriotes. C'est fini, c'est terminé. Donc, c'est comme si on acquérait de nouveau notre indépendance perdue pendant cette période-là, chers compatriotes. Voilà. Nous allons utiliser les images de Chancellor Tchala. Donc, c'est juste un extrait. Un extrait qui va nous montrer comment ils arrivent au Parlement, comment ils déposent. Ils vont parler. D'abord, le député Nsingi Poululu va parler. Il va parler en Lingala. Et Noël Tchani va aussi parler, mais en français, parce que il n'a pas beaucoup pratiqué le Lingala. Je l'ai entendu parler une fois, mais bon, il n'est pas fort dedans. Et lui, il va parler en français. Alors, regardez. D'origine, article 7, il y a loi à Zaïre, il y a déjà pour prévoir, depuis très longtemps, que ne pouvait postuler à ces postes-là que celui qui est de père et de mère congolais. Malheureusement, vous savez avec moi que l'actuelle constitution promulguée le 18 février 2006 par Joseph Kabila, alors président de la République, dans son époque, Baebaki n'a pas faire passer Oyo inaperçu Bandeko Balanza. La chose est là, tu as la mise. On a pour le voyage que c'était normal. N'importe quelle personne aille Rwanda pour postuler. Mais aujourd'hui, nous avons on a été tout est réuni. On a pour accès à la présidence de la République. L'article 72 de la Constitution ne peut postuler en tant que candidat à la présidence. C'est celui qui est congolais d'origine. Et là, Noël Tchani Azako Senga était non seulement président de la République, de la verrouiller et appartenir à Kakanaba congolais de père et de mère, mais surtout Bandeko Balanza. C'était nous.
institutions aminene, notamment Sénat, Assemblée nationale et bien d'autres institutions Yango Cannabis. Aux amis, par rapport à en direct, il y a Assemblée nationale, pas de Kouanadi, il y a Chancellor, Tchalanouz, Francis Kalombo en réaction, il y a ma déclaration, il y a Honorable Ndingi Kouloulou. Il a fait entendre que aucun député ne votera pour ceci. Encore moins, il n'y aura pas trois quarts de membres qu'on a pour siéger en congrès pour réviser la constitution et pour faire passer proposition au projet pour ma loi Bande Kouanadi. Voilà les déclarations, il y a Francis Kalombo. Dans tous les cas, Francis Kalombo, citoyen congolais, simple, il n'est pas député, il n'est pas celui qui propose, qui examine et qui vote les lois. Il est libre d'émettre son opinion et surtout quand il appartient à une tendance ou une autre politiquement parlant. Aux amis, à voir, ça posé là, on aura bien fini pour nous de voir. Après Yamba Namaboko, Yamba Noël Chani, ancien candidat à la présidentielle Yambo Cannabiso, aux amis, proposition de loi, on aura déposé un bureau. Il y a l'Assemblée nationale pour la cause à la classer parmi les grandes lignes où vous allez traiter pendant la session qui va venir Bande Kobalandi. Il y a Chancellor, tu as la news, dans tous les cas, c'est n'est qu'un dépôt, ça reste un dépôt. Nous allons voir comment la procédure va aboutir. Déjà, Singi Mpulu Lozako rassuré Bissot et 215 députés basali d'accord pour Nafoye Banako soutenir proposition Oyo. Et puis Noël Tchani qui répondait au tweet, il y a des Congolais dans le niveau et réseau social Twitter, Azako Loba été décision et route à niveau y a plénière. Et s'il faut, Babengaye pour Ayeba, n'a pas expliqué l'importance tenant et aboutissant, avantages et désavantages, il y a proposition Naye, il sera disponible pour Nafoyeba, Nafo Salaire. Ce qui va le bien, c'est que député au bazar pour soutenir Yango, Ayeba, n'a pas s'exprimer, Ayeba, n'a pas s'exprimer, Claudel Lubaya, Claudel André Lubaya, ouais, aliments pour la député, ensemble, nous avons la Koyoka déclaration à Bango au sujet à l'ICAM. Sachant que le président et le regroupement à Bango, Yende Azali visé selon ma partisan Naye, Bazali Koyoka Koye Karte, Yeto Koye Banyan Sorana Awa Bande Kobalandi. Ya Chancellor, Tchalaniou, en printemps, Bobo Sanate était ma députée Moukna Moutaza la conviction Naye, même s'ils appartiennent à ma regroupement politique, à ma parti politique, mais à Katia Union Sacrée. C'est un peu beaucoup plus la démocratie. Bamoussous Baza pour soutenir Yango malgré les conséquences à l'égard de la leader politique Nabango. Mais Bamoussous Baza comme on a été, ils n'ont pas le temps pour soutenir Yango. Mon coup est député, il y a MLC, il y a Jean-Pierre Bemba. On a son qui n'a eu comme il n'a pas été jamais va voter Yango, jamais ils laisseront cette proposition passer parce que ce qui est bandit. Mais on a Katumbi va écarter la Katia Union Sacrée, le Bako écarter Bemba. Dans tous les cas, Noël Tchani Assia Lobayango, sa proposition ne vise pas des individus, ça vise la protection des institutions Yambo Cannabiso, notamment présidence, il y a République, il y a RDC et Bande Kobalandi. Tozali Awa Tokozela, Koye Bande Makambo Koyeba, Benza Mingi na Koleka. Et puis vous voyez, on va tenir au courant Nandenge et ça pour qu'on va avoir na parler du peuple va déposer pour la Nabisso. En direct, il y a parlé du peuple. Ndegonanga et Christian Bossembe Oazalaki pour ça l'analyse, on a dit Moko, il y a banaliste Minene, il y a actualité en Boko Nabisso. À suggérer qu'il n'y ait pas un candidat au Yoba, ma potentiel candidat au Yoba, 50-50. Je ne peux pas dire que je suis 50. Oh, italien, oh, grec, oh, nan, je suis côté Moussoussou, Batika Congo. Le Congo doit appartenir aux Congolais. On comprend maintenant pourquoi je suis promulgué la constitution. Il y a un beau cannabis au Bande Kobalandia. C'était news malgré les insuffisances. Nakat, il y a un article, notamment, manque, il y a explicité. Il y a article 72. Oh, la loi est à Zahir et ça va être clair. Bah, deux points, bah, expliquer qu'ils sont père et mère congolais. Honorable Nsingi Mpulunu, à Kopita, Kalamingi, pour la Koyeba, pour expliquer qu'ils sont ce qui va se passer et surtout Koyeba, pour répondre à Bongo, na Mituna, na Biso, Bande Kobalandi. Il y a cette news. Et binope bokozwa information na Movimba na ndenge zali koleka awa na mboka na biso Bande Kobalandi ya Chancellor
tu as la news. Voilà. La question, on peut commencer la question. Attends, non, il est salé médecinal et qu'il est non le DC. D'accord. Non, il est salé médecinal et qu'il est non le DC. Exactement. Maman, téléphone, dis-moi la chance. Le téléphone, mais c'est le téléphone. Il fait ça, mais l'année de la soeur. Les gars, on peut te donner un téléphone. Souris, tu mets ça dans le groupe. C'est là. Bon, vous avez vu la télévision, vous avez vu la télévision.
Et le grand bouquet, deux hommes à ciment. Pourquoi on ne peut pas s'organiser ici? Est-ce que vous comprenez un peu? Alors s'il vous plaît, soyez prêts, on doit commencer l'interview maintenant. Oui. S'il vous plaît, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, bon. Qui va nous donner la question. 3, 2, ayez la vie des uns des autres. Attends, 0, on tourne. Honorable, vous venez de déposer la proposition de loi élaborée par Noël Tchani. Quel est le sens véritablement de votre démarche aujourd'hui? En Amérique, en Asie, en Afrique aussi, dans d'autres pays, comme en Europe, une fois qu'il notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise. Ça préjudice aux compatriotes de contribuer au développement de notre pays. Alors, cette loi est la réponse pour ceux qui se posaient la question si double nationalité. Vous pouvez avoir 10 nationalités, mais vous ne pouvez jamais la nationalité. Ce qui veut dire en d'autres termes, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo. Nous avons accepté d'autres personnes au Congo, qu'ils soient Congolais. Et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques même. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Je souligne bien, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Ce qui signifie quoi? La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la loi de 1968, nous avons vu la révision qu'a porté le directeur des cabinets du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1978 et les Aïrois à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ennemi. Raison pour laquelle, en 1981, les Aïrois conclurent en disant, comme il y a des élections en 1984, ne peut être candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères Aïrois. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vécues, vivant actuellement, nous vous disons que la République démocratique du Congo, un pays ouvert à tout le monde, mais seulement, pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Qu'est-ce que les Congolais retiennent à travers cette proposition de loi, l'essentiel? Les Congolais retiendront que nous, de même, comme vous le savez, Lumumba, Kasavubu, Kimbangu, Malula,
Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même, originaire. De même, après torpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa responsabilité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de l'ANER, sont des fonctions, gouverneur des provinces, sont des fonctions réservées aux Congolais, nés des pères et des mères. En d'autres termes, pour ceux qui chantent à la longueur de la journée, on veut exclure une catégorie de personnes. Vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Jésus-Christ répondait en posant des questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre de recherche. Avec la voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwit, vous traversez Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'auto-brindé, vous n'arriverez pas. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Tshisekedi pour exclure certains candidats à la présidentielle 2023? Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait reçu. Mais parce que vous faites campagne des médias, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, Tambwe Mwamba, président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef de gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés, 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'étais instrumentalisé par qui? Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du Cameroun. J'étais instrumentalisé par qui? Très cher compatriote, je suis Tsingy Koulou, Fumunzi, je suis. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venu sur le sol congolais, nous vous avons accepté comme Congolais, mais nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis? Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, Kissinger, pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis? Les exemples sont les jours. Il est important. Monsieur Noël Chani, vous êtes, s'il vous plaît. Oui, une question que vous adressez. Quelles sont les innovations dans cette proposition de loi? Parce que. Je voudrais insister sur deux ou trois aspects que l'honorable Singh a déjà mentionnés. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieures, finances, le premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale,
l'administrateur général de l'ANR, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de supérieur, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc des militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitona. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% congolais, 50%, je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays et également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre donc, de cette. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous Congolais ne peut la perdre. On est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais et on sera enterré Congolais. Par conséquent, si un Congolais part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays-là d'accueil, de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne envoyée à la famille qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre. Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas nous. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international de Ndili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Donc ça c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. Merci beaucoup. Na kotuna bino motuna po ngana za mo Kristo. Kono yesa bana yeko pesa biyano na motuna. Tata na yo na mama na yo babundi. Babundi makasi. Yo kokotela nani? Sina. Yo mwana kuzana mwa makasi. Kuzana ndoto makasi. Yakozwa papa kobwaka ile banda to kozwa mama kobwaka ile banda. Me tata na ona mama na yo babundi yo kokotela nani? Sikoyo yo za mo konja mboko.
tata na yo congolais mama na yo ekolo mususu mboka wana ya mama na yo na mboka ya tata na yo bazo yo kana te bitum yo ko président de la république ogosani ogoswa décision malam na pesa bino ya mususu boyebi ke Jean Marie Kasamba yo kaka akombo Kasamba mwane mais bino ba journaliste bozo boya ya la président ya NPTC pona nini ote azo na sunde muso na photo mais boko ndima na muto yo ayaki awa mwana mwana nini sugi mbana nini tout ça bondimie est-ce que c'est ça c'est ça ngote mobeko yo bikondi to sali kana zali bukanda mipe mwana mboka noel tani azokolo na yoki boye bi constitution punitive na tena bi makamba zolo bawana eza malamu na 1981 bazoki décision wana oza la président de la République oza la gaga tata na yo zairwa mama na yo zairwa peto sali que mutunyo za na poto mutunyo sa kenda poto mais le ko zali congolais tata na yo congolais mama na yo congolaise oza kaka congolais même tata na yo kamuta za congolais to mama na yo za congolais oza kaka congolais au perdre le côté mukolo kozonga na Congo ba koyamba ko congolais okosa musa lokola congolais poste dile na yo oyebi mubeko moko ezalaki awo bala baka maka double nationalité dile lo bakima mutakwa ko lobela mote ko ba miyebi ke mele bazana ba double nationalité to tie to pesi ba ngoma ibo mela mai bo vanda pet bo vanda kimia muta banga li susute zwa na yo ba nationalité ata 10 ata nkama zwa ba nationalité mais na Congo ozaka ka congolais oko perdre le conseil oko postile na yo comme député ulingoza pe ministre ko zala na yo mais kaka nde soko lingoza la président de la république tata naona mama na oba zala ba congolais omoni to sali le kamba kitoko ndeko yo omoni wapi pona mutema kitoko to jiba réfugié ba yawa to le hotel ko la ba se retrouver ki awa avant indépendance ba komba congolais iyo to ndimi mais mwana ya yo azotanga na poto kwa zwa mwa mwa eloko azui nationalité kuna alongwe congolais est-ce que za mayele muto wana réfugié ya commandé mon compte ya comme ministre ya comme député ya comme mandataire mais moi no ya yo yonde ko nanga za na poto lokolo changer nationalité po uzwa mwa ya ko vivre yo za na droite ezapo muto to boniam ngai lokola nazali muto ngai lokola nazali de ko na bino ebisa ka bino mboko yo eza na bato balingaka Congo na bato balingaka peuple congolais bato balingaka congolais Congo nde bapaya balingi Congo bazo ba minerai ata yo kufi etali bangote mais bato balingi ba congolais balukaka bolamo ya ba congolais ndaye yo nde kona bino no echa na bite ntingi na mona ko zangwa nga mayele ya kotala nani loko yo nazo kanisa na tali na mungi mungi yango na monite elongo bani boy tala ndenge to sali mobeko oyo mobeko oyo ezali kopesa bino banso ozali na poto okenda obota bana na poto ozobanga nationalité te tinga résoudre problème nande bonane noel tchan docteur noel tchan albi te tinga ngana vani na poto tala pasi bato bayoka na funa beza boy to sala mobeko mobeko ya moto sala bozwa kimia bovanda na kimia muto akosa bino te obazono bawala ke ntinga lingi muto boete te te oyebi ba pote belé to bokola bana bo ozi mwana lokote obokoli ye akoli mwana wana lobi nango yenda kumoteka mapango na yo me bana oya yo moko bazaki mikie bazaso na bakomi na ba problème ba conflit de terre na mboka o eza ya nini tata tanga linga kufa azaki na mwana mukolote asimbi si na mwana mtu moko boye yo simba suki bana nanga bakoli bongo pesa mtu wana bana asimba yango anganzama nango bakamweza na bakama ba terre boye byango te bande kuna ngai lipanda to zwaki ça m'a bien que indépendance la kisinini gestion ya mboka na bato bakolo mboka yango wana to salike mboka oyo poza la président de la république zalaka katata congolais mama congolais poza no président de la république et loko moka mabe ezalite boyokaki boyoki makambozo le kalamboko boyoki ezaka ka mobeko a awate mutu azokolo baketo exclure bango bon yo uti oza réfugié oyaki oye na congo une nationalité comme chef coutumier soki ki chef coutumier ko koma te boni bono oza na bezo koma président de la république yo oko koma chef coutumier te ko oza oyaki koya oji nationalité congolaise o tikala ko koma chef coutumier te mais chef coutumier na base au comité mozo lingo koma président de la république ndeko na ngai ata sata sala ka bongo te
Je voudrais ajouter quelque chose. Pour enlever. Non, moi je ne parle pas très bien le Lingala. Je voudrais ajouter quelque chose. On entend dehors là des gens qui veulent vous manipuler, vous la presse, et qui disent que ce que nous sommes en train de proposer comme loi, c'est pour la xénophobie. On déteste les étrangers. Ce n'est pas vrai. La loi que nous proposons veut protéger la souveraineté nationale, garder l'intégrité territoriale, nous assurer simplement que le pays sera bien géré par les Congolais, eux-mêmes les propriétaires de cette terre. Les étrangers sont les bienvenus dans notre pays. Nous sommes une terre d'Asie. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer à la boxe, ils peuvent être des commerçants, des professeurs, des médecins, ils peuvent même devenir des ministres, à l'exception des ministères régaliens. Nous voulons qu'on ait donc la paix et la sécurité pour tous les Congolais, pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Donc, oubliez la manipulation que je vois sur les réseaux sociaux où on vous dit que cette loi, elle est discriminatoire. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi les gens le signent pour Lolo? Pardon? Pourquoi les gens le signent pour Lolo? D'abord parce qu'il est très intelligent. Et ensuite, c'est un député national qui a une vision pour le pays et ses idées cadrent bien avec mes idées. Nous avons pensé que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts du peuple congolais. Et si vous ne recevez je voudrais, pas la majorité, je voudrais vous dire une chose. Singi Pululu, il est, je ne sais même pas de quelle province il est. Vous êtes de quelle province? Moi, je suis du Congo central. Il est du Congo central. Moi, je viens de la province de Lomami. Vous voyez où se trouve Lomami et le Congo central. Mais nous sommes unis par un seul destin, la République démocratique du Congo. Nous avons mis nos efforts ensemble et nous ne sommes pas que deux. Il y a au moins 215 députés nationaux qui ont exprimé le souci de pouvoir se joindre à nous pour défendre donc ce projet de loi. Cette loi, elle va passer à l'Assemblée nationale par plus de 80%. 260 déjà. Elle va passer par plus de 80%. Pourquoi? Parce que tous les Congolais veulent regarder dans la même direction. Éviter les manipulations qui sont orchestrées par un camp.